Je vous le redis, là, une bonne fois pour toutes, on est dans un château du XVIIe siècle. Donc on est forcément limité en puissance électrique. À l'époque, ils n'avaient pas prévu les ponts de lumière et des sonos de 4000 watts. Bon, donc on ne tire pas tous ensemble sur les lignes. On se coordonne, on échange, hein, on partage. Ouais. Bon, et puis pour finir, j'aimerais bien qu'on évite les tensions. T'es bouché ou quoi? T'es dans le passage, tu vois bien que tu gênes. On garde son calme. Mais toi, tu vas me recadrer, mais vas-y, viens, mais je t'attends. Ça ne va pas d'être vulgaire. Eh, casse pas les couilles, toi. Votre comportement, votre politesse, c'est la vitrine de la réception. Non, non, je veux personne dans le champ. Regarde, il y a une vieille dans le champ. La vieille, c'est ma mère, hein. Je vous ai dit que je voulais un truc sobre, chic et élégant. Oui, mais c'est complètement l'esprit. Ce soir, c'est une soirée agréable qui nous attend, une soirée chic, sobre et agréable. Qu'il vous roule. Attendez, il me fait peur, lui, là. Je vois toutes les mains en l'air, tout le monde les mains en l'air. Mais vas-y. Je peux vous faire apparaître un truc énorme. Alors, c'est pas un oiseau, mais c'est de la famille des volatiles. Attention, 3, 2, 1... Un poulet. On a un client important qui nous a fait confiance, hein, pour qu'on lui organise un mariage clé en main. Je vais vous préciser quand même que je suis pas un grand orateur. Eh ben ferme ta gueule alors, ça sera plus simple. Donc je compte sur vous pour que ce soir, particulièrement, on fasse une belle soirée. Excuse-moi, tu peux prendre le plateau de la fougère dans la cuisine. Comment? Ah pardon, Samy, t'es sûr de toi là pour les feux d'artifice? Qu'est-ce que je vous ai dit? J'ai dit on se coordonne. Il y a personne qui comprend que je joue ma vie, moi. À chaque soirée, je joue ma vie. Quel moment magnifique. Les gars là, ce soir, qui n'est pas déclaré? Ne levez pas la main comme ça, levez la main juste comme ça. Voilà, maximum, c'est vrai. Ah ouais, quand même.